Bonjour. Eh bien, après un deuxième essai, on pense qu'on a trouvé le problème. Et donc, je vais à nouveau vous présenter, pour ceux qui nous rejoignent, et pour que sur YouTube, l'émission soit complète, Jacques Beau, qui a déjà été mon invité il y a un an, à l'occasion de son excellent livre « Gouverné par les fake news » que je vous montre, en même temps que l'affaire Navalny, le complotisme au service de la politique étrangère. Ce sont deux livres qui sont publiés chez Max Milo. Et comme je le disais, Jacques Beau est un invité spécial dans Michel Midi, puisqu'il a été membre dans les années 80 du service des renseignements stratégiques suisse et responsable des forces du pacte de Varsovie à l'est du rideau de fer et dans le monde. Il a été chargé en 97, on est entre Belge et Suisse, n'est-ce pas, donc je vais me le permettre, de mettre sur pied un projet pour contribuer à la lutte contre les mines antipersonnelles. En 2005, les Nations Unies lui ont demandé de diriger le premier centre de renseignement multidisciplinaire, sur le Soudan. En 2009-2011, il a été chef des politiques et de la doctrine au Bureau des affaires militaires du département des opérations de maintien de la paix. Et en 2011, il a été nommé chef de la lutte contre la prolifération des armes légères et contre les mines auprès de l'OTAN à Bruxelles. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui a une origine et un background totalement différent et qui, eh bien, on se rejoint très souvent, on n'est pas d'accord sur tout ce qui se passe dans le monde, heureusement d'ailleurs, sinon ce serait un peu ennuyeux, mais on se rejoint sur énormément de constats, tout simplement parce qu'on essaye tous les deux de partir des faits objectifs et de voir au-delà des apparences qu'on nous fournit, qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, c'est une raison d'autant plus d'inviter Jacques Beau, c'est qu'il prépare un livre « Poutine, maître du jeu » qui sera également chez Max Milo. Donc, on est dans les avant-premières. Merci Jacques d'être avec nous. Et aujourd'hui, on va aborder trois questions qui sont très importantes dans ce conflit complexe de l'Ukraine avec plusieurs dimensions. La première, c'est l'extrême droite qu'on nous cache, c'est-à-dire les groupes nazis en Ukraine, est-ce que c'est important ou non? Est-ce que ça joue un rôle? Est-ce qu'il y a de l'indulgence ou pas? On va ensuite analyser comment se passent les opérations maintenant en Ukraine, qu'est-ce que ça signifie? Et tout le monde se pose évidemment beaucoup de questions, comment ça va évoluer? On va aussi parler des couloirs humanitaires à Mariupol, etc. Jacques va nous expliquer la sécession du Donbass et aussi les accords de Minsk et comment on en est arrivé là, qui est peut-être la chose la plus importante fondamentalement. Est-ce qu'on aurait pu éviter ce conflit? Est-ce que Poutine est quelqu'un de fou, d'irrationnel? Il veut l'expansion? Ou bien est-ce qu'il y a, quoi qu'on pense de l'invasion en Ukraine, est-ce qu'il y a une forme de rationalité? Donc, Jacques, en premier, pour vous, est-ce qu'on peut appeler ces groupes des nazis? Est-ce qu'il faut remonter dans le passé pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est ces formations d'extrême droite ou fascistes en Ukraine? Alors, tout d'abord, Michel, merci beaucoup de me réinviter à votre show. Et votre introduction, je pense, doit éclairer sur notre manière d'aborder les problèmes. Comme vous l'avez très justement dit, vous et moi, nous connaissons depuis longtemps, nous n'avons pas la même appréciation de tout ce qui se passe dans le monde. En revanche, nous avons tous les deux le même besoin de travailler sur les faits. Et les faits sont les faits. À partir de là, chacun peut construire ce qu'il pense et chacun est libre de le faire, mais on ne peut pas le faire sur des faits qui sont tronqués. Et c'est pour ça que même si nous avons un regard différent sur les choses, nous partons les deux des mêmes faits. Et ça, je crois que c'est ce qu'aujourd'hui, surtout dans le conflit si émotionnel qu'est devenu le conflit ukrainien, c'est, à mon avis, ça va être le point de départ de toute réflexion sur ce conflit. Mmh. Alors, je viens maintenant à votre question. Alors, quand on voit aujourd'hui tout le monde essaye de se rejeter la balle en disant qui a raison, qui a tort, il n'y a pas de nazis en Ukraine, ils sont tous beaux, blancs, jolis et tout rose. Et puis, d'un autre côté, il y a évidemment les méchants russes qui passent. Ouais, bon.
Alors, je crois qu'il faut revenir un petit peu à l'histoire, nous explique beaucoup de choses. Et l'histoire, moi j'ai participé, je connais très bien l'Ukraine, je connais bien la Russie, comme vous l'avez dit, je suis responsable du pacte de Varsovie déjà à l'époque de la guerre froide. J'ai été plusieurs fois en Russie depuis, j'ai discuté avec les plus hautes autorités militaires et du renseignement russe sur des questions, justement d'intégration avec l'OTAN d'ailleurs, assez curieusement. Et puis j'ai été ensuite, dans le cadre de mes activités à l'OTAN, impliqué directement dans ces problèmes qui sont liés en fait à ces milices. Et je vais y revenir tout à l'heure. Et pour comprendre ce qui se passe actuellement, il faut revenir, il faut se dire que finalement on est là, sur la dernière, comment dire, émanation ou resurgence de la Première Guerre mondiale, en réalité. Après la Première Guerre mondiale, l'Empire austro-hongrois a été démantelé et la Galicie, aujourd'hui dans la région de Lviv ou Lvov, a été donnée à l'Union soviétique. Et à partir de là, se sont créés des groupes qui ont commencé à résister aux soviétiques, des groupes anticommunistes, très clairement, antisoviétiques, très clairement aussi, mais pas seulement. Il faut savoir que la région qui va de la Baltique à la mer Noire, toute cette bande-là, la Pologne et l'Ukraine, c'est les restes de l'ancien royaume khazar, où il y a effectivement beaucoup de juifs, et c'est dans cette région que s'est développé aussi un antisémitisme considérable. D'ailleurs, les pères fondateurs d'Israël, Golda Meir, Ben Gurion, Moshe Dayan, enfin la famille de Moshe Dayan, parce qu'il lui-même est né en Palestine, mais tous ces gens viennent d'ailleurs effectivement de cette bande, c'est-à-dire d'Ukraine et de Pologne. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tout simplement chassés. On est dans juste après la Première Guerre mondiale, on a vraiment ces groupes extrémistes qui luttent contre tout. Et les groupes qu'on a aujourd'hui en Ukraine sont les descendants de ces groupes extrémistes créés dans les années 20. Et ces groupes ont évolué. Dans les années 30, comme vous le savez, il y a eu ce que les Ukrainiens appellent l'Holodomor, qui est pour eux l'équivalent de l'Holocauste, qui a même été d'ailleurs probablement plus important que l'Holocauste, certains disent qu'il y a eu jusqu'à 7 millions de morts, qui était en fait une famine gigantesque, créée par Staline, qui confisquait les récoltes pour vendre le blé à l'étranger et ainsi récolter des devises pour moderniser en fait l'armée rouge. Et pendant cette période, ce qui s'est passé, il y a un phénomène qui est très peu connu, mais qui explique pourquoi il y a cet antisémitisme aujourd'hui très très fort, c'est que ceux qui ont mis en œuvre la stratégie de Staline, de confiscation des récoltes, c'était le NKVD, c'était le ministère de l'Intérieur, ancêtre du KGB, si vous voulez. Seulement, il était articulé selon des structures territoriales. Et dans cette région, comme il y avait effectivement beaucoup de juifs, il s'est trouvé que le NKVD était dirigé en grande partie par des juifs. Et à tort ou à raison, les Ukrainiens ont gardé de cette période, en plus du nationalisme qu'ils avaient animé jusqu'à maintenant, ils ont gardé une haine à la fois des soviétiques, qu'ils associaient donc, qui était en fait le mariage des communistes et des russes, et vous voyez qu'on est déjà dans le conflit d'aujourd'hui, et puis les juifs qui étaient les dirigeants de l'époque. Et tout ça a fait une sorte de mix, et c'est pour ça que je n'aime pas trop l'expression nazi, parce que pour moi nazi, national-socialiste, ça correspond à des critères très précis, c'est un mouvement politique comme certains mouvements communistes et autres, ça correspond à des critères très précis. Ici, on n'a pas vraiment une doctrine antisémite, mais on a une doctrine nationaliste, ultranationaliste même, sur laquelle s'est greffé un antisémitisme plus culturel que politique. Alors que pour, par exemple, les nazis, l'antisémitisme est une affaire très politique.
Pour les antisémites qu'on a encore aujourd'hui en Ukraine, c'est un antisémitisme culturel, vraiment, très profond. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, dans les années 30, ces mouvements ont commencé à se battre contre l'Union soviétique, l'occupant soviétique. Et en 1941, lorsque Hitler a attaqué l'URSS, il a évidemment libéré, entre guillemets, cette région qu'on appelle la Galicie, qui est l'Ukraine occidentale aujourd'hui. Et c'est à partir de là que s'est créée, en fait, l'Ukraine a trouvé son indépendance. C'est Hitler qui a donné l'indépendance à l'Ukraine de 1941. Et le héros ukrainien de l'époque, celui qui dirigeait ou qui coordonnait les mouvements nationalistes à l'époque, c'était Stepan Bandera. Mmh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit souvent, quand on parle des Ukrainiens, on dit c'est les bandérites ou les bandéristes. Voilà. Et Bandera est un type, donc c'était un ultranationaliste, qui évidemment, lorsque les Allemands sont arrivés, il leur avait donné l'indépendance, donc Bandera leur a rendu l'appareil en aidant à ce qu'on a appelé la Shoah par balle, etc. Il y a eu des massacres incroyables qui ont été faits par ces groupes nationalistes ukrainiens. Et qui ont fini par avoir une division SS, d'ailleurs, la 14e division Panzer-SS Galizien, ou bien première Erste Galizien. Et cette division, d'ailleurs, est encore célébrée aujourd'hui. Il y a des monuments en Ukraine. Ça fait même un scandale au Canada, parce que le Canada a toléré après la guerre, 2000 de ces combattants de la division Galicie s'installaient au Canada, et ils ont installé des monuments, etc. Et la nouvelle ministre des Affaires étrangères canadienne est descendante d'un Ukrainien qui était associé à ces mouvements. Ce qui explique aussi un petit peu l'attitude du Canada. Et donc, excusez-moi Jacques, mais quand on voit les images de l'époque, là, les affiches vous m'avez communiqué, on est vraiment dans tous les grands clichés de la propagande nazie, de la propagande fasciste, et notamment l'antisémitisme, le profil, tout ça. Oui, absolument. Non, alors, si vous voulez, c'est pour ça, on dit c'est pas des nazis, etc. Alors je dis oui, je suis d'accord, c'est pas des nazis, mais ils sont violents comme des nazis, ils sont nationalistes comme des nazis et ils sont antisémites comme des nazis. Donc ils ont toutes les caractéristiques, mais stricto sensu, j'aime bien que les choses soient assez précises, et effectivement, stricto sensu, ils ne le sont pas. Mais ils en ont toutes les caractéristiques. Et donc, aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a une filiation. Quand on regarde les sigles des différents partis nazis, il y a clairement, c'est la croix gammée SS à peine déguisée. Alors, c'est pas la croix gammée SS, c'est le Wolfsangel, c'est une rune. Vous savez que les unités SS se distinguaient entre elles par des runes, des anciens, des runes germaniques en fait, des traditionnelles runes germaniques. Et vous aviez toutes les divisions Panzer et les divisions SS se distinguaient chacune par une rune. Wolfsangel, c'est cette espèce de Z retournée avec un barré par un I. C'était l'emblème de la deuxième division SS Das Reich. La deuxième division SS Das Reich, elle a la particularité en Ukraine d'avoir libéré la ville de Kharkov. Ou Kharkiv, on dit aujourd'hui, parce que c'est devenu l'Ukraine. En 1943, elle a libéré Kharkov. Avant de retourner sur France d'ailleurs et de commettre en juin 1944 le massacre d'Oradour-sur-Glane. Alors en France, Das Reich, c'est des criminels de guerre, mais en Ukraine, c'est des libérateurs. Et c'est là où on a cette espèce d'ambiguïté que d'ailleurs les pays occidentaux ont en fait un peu exploité. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut savoir que la lutte, on a parlé dans les années 30, donc de la guerre de ces unités
l'URSS, mais après la guerre, c'est-à-dire dès 1946, l'ennemi n'est évidemment plus les nazis, mais l'Union soviétique. Et là, les Américains, les Français et les Britanniques ont commencé à alimenter une subversion armée, enfin une guérilla, on peut dire, contre l'Union soviétique, toujours dirigée par Stepan Bandera, qui avait aidé les Allemands pendant la guerre, et qui a mené jusque dans les années 60 des guérillas en Ukraine contre les Soviétiques. Et ça s'appuyait sur l'armée insurgée ukrainienne, dirigée par Stepan Bandera, mais aussi sur les anciens Werwolf. Werwolf, ça veut dire loup-garou en allemand. C'était des unités de SS, c'est l'ancêtre du Gladio, si vous voulez. C'est le Gladio du Troisième Reich, qui avait son quartier général en Ukraine, à Vinnytsia. D'ailleurs, il y a une des affiches que je vous ai montrées où on voit un juif armé d'un pistolet et puis une étoile rouge sur la tête. Et dessous, vous voyez marqué Vinnytsia. Vinnytsia était le quartier général des Werwolf pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et toute cette région est restée extrêmement néo-nazie d'une certaine manière. Et les Occidentaux l'ont utilisé contre les Soviétiques. Ça s'arrêtera dans les années 60, en grande partie à cause de la trahison de Kim Philby en Angleterre. C'était cette taupe infiltrée dans le MI6 et qui informait en fait les Soviétiques qu'il y avait des parachutages. Et puis, il y a eu des quantités d'opérations, l'opération Aerodynamic, Valuable, Minos, Minos c'était pour la France, Valuable c'est les Anglais, Aerodynamic c'était pour les Américains. Donc, vous me dites que l'Occident a quand même une certaine tradition d'utilisation de groupes fascistes et terroristes. Ah, plus que ça, oui, c'était totalement assumé et les alliés ont utilisé ça, je vous dis, jusque dans les années 50. Stepan Bandera, lui, a été éliminé après une séance qu'il avait eue avec le Bundesnachrichtendienst en Allemagne, par un tueur du KGB, où il venait de décider d'ailleurs d'intensifier les actions de guérilla en Ukraine. Donc, vous voyez, ce qu'on a aujourd'hui en Ukraine, c'est en fait la continuation de quelque chose qu'on avait déjà jusque dans les années 60. Oui, parce que quand on voit un groupe contemporain comme le bataillon Azov, qui est devenu un régiment Azov, là, eux, ils mettent carrément la croix gammée sur un drapeau ukrainien. Et on a des indications aussi, si je montre le corps national, c'est vraiment un phénomène assez large. Pas des marginaux. Je viens là-dessus parce que ça touche d'ailleurs la manière dont j'ai été un peu impliqué avec l'OTAN dans ces affaires-là, enfin de loin, parce que j'ai rien eu à faire personnellement avec le régiment Azov. Mais ce qui s'est passé en 2014, donc en 2014, il y a eu le coup d'État de Maïdan, et puis, donc il faut savoir que ce qui est important aussi, peut-être, dans la genèse, parce qu'on parle toujours de Maïdan, révolution populaire, etc., qui soi-disant aurait été provoqué par le fait que la Russie se serait opposée à un traité avec l'Union européenne. Alors c'est faux, ça c'est un mensonge pur et simple. En 2012-2013, l'Union européenne avait approché l'Ukraine pour développer des contacts, et l'Ukraine, elle aussi, pensait à se développer, comme tous les pays de l'Est d'ailleurs, ils voyaient dans l'Union européenne une sorte de, un espoir de développement, disons ça comme ça, et des perspectives de développement avec les aides de l'Union européenne, un commerce facilité, etc. Donc, ouais. Et ils ont commencé à travailler sur un traité avec l'Union européenne. Mais simultanément, les Ukrainiens avaient, disons, une industrie qui vient de l'ancienne Union soviétique. Donc, c'est une industrie qui est orientée sur les relations avec la Russie, par exemple pour des moteurs d'avion. Antonov fabriquait des moteurs qui étaient utilisés sur des avions russes, etc. Donc l'industrie ukrainienne était taillée, si vous voulez, pour la Russie. Et
l'idée de se lier à l'Union européenne posait un problème parce que les Ukrainiens se rendaient bien compte qu'on ne pouvait pas se déconnecter complètement de la Russie d'un autre côté. Et la Russie s'en était bien aperçue aussi. La Russie a des liens traditionnels, industriels et culturels avec l'Ukraine et elle voulait préserver ces liens. Quand vous dites les Ukrainiens, j'imagine qu'il y avait des avis assez différents, des courants assez différents, et que c'est d'ailleurs un peu une raison du coup d'État de Maïdan, c'est de remplacer certains Ukrainiens par d'autres Ukrainiens. Non ? Alors, en fait, concernant le contact avec l'Union européenne, les sondages qui étaient faits d'ailleurs par l'Institut de sondage de Kiev, l'Institut de sociologie de Kiev, pardon, à l'époque, montraient qu'il y avait vraiment ces 50%, 50-50. Les Ukrainiens n'étaient pas totalement pour parce qu'ils voyaient aussi le problème d'avoir, et d'ailleurs c'est le problème qu'ils ont eu après 2014, parce qu'ils n'ont pas une économie qui est compétitive par rapport à l'Europe. Ils ont une économie qui est vraiment complémentaire de la Russe. Et la Russie a proposé d'ailleurs un accord tripartite, c'est-à-dire un système où la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne se trouvaient dans le même groupe, si vous voulez. Ce n'était pas la même alliance, non. C'était deux alliances coordonnées, on pourrait dire ça comme ça. C'était quand même l'intérêt des Ukrainiens, là où ils sont géographiquement, historiquement, comme c'est une nation très mélangée. C'était vraiment l'idée de rester neutre, ouverte et d'avoir des bonnes relations des deux côtés. Exactement. Et d'ailleurs, c'était l'idée de Yanukovych. Et Yanukovych, il a jamais dit d'ailleurs qu'il voulait renoncer à l'accord. On a dit ça en Occident, mais c'est totalement faux. D'ailleurs, dans mon livre, je décris exactement ce que les ministres disaient de l'époque, donc les ministres ukrainiens, qui disaient qu'il n'était pas question d'abandonner les contacts avec l'Europe, bien au contraire, mais de voir comment ça pouvait se marier avec ce qui existait du côté russe. Et c'est en fait l'Union européenne, c'est Barroso qui a dit aux Ukrainiens, non, il y a pas, les Russes n'entrent pas dans le truc. Vous choisissez, c'est soit la Russie, soit nous. C'est un homme qui, après sa carrière politique, est passé chez Goldman Sachs. Donc, il y avait un peu des soupçons quand même d'intérêt personnel. C'est probablement qu'il y avait de ça. Mais en fait, on peut comprendre ce type de raisonnement parce que c'est finalement le même problème que l'Union européenne aura plus tard avec le Brexit en Irlande. C'est exactement le même problème. Ce problème de la frontière irlandaise est exactement le problème que l'Union européenne avait avec l'Ukraine. Elle ne voulait pas que l'Ukraine soit l'équivalent. Bien, mais je dois nous ramener à l'Ukraine et au présent. Oui, bien sûr. Alors je reviens. Je voudrais qu'on creuse une chose, parce que ces groupes, on nous dit ici en Occident que c'est des marginaux. Bernard-Henri Lévy est allé prononcer un discours à Kiev, il a dit « j'ai pas vu de nazis » alors qu'ils étaient à 3 mètres de lui. Quelle est l'attitude des autorités de Zelensky par rapport à ces groupes nazis? Est-ce qu'il y a eu une évolution? J'y arrive. Mariage de raison? J'y arrive. Je comprends que vous me poussiez un petit peu, mais j'arrive. Il y a une logique dans tout ce que je vous dis. Parce qu'en 2014, le peuple, comme je vous ai dit, était très partagé et les gens ne voulaient pas, en fait, je crois que Yanukovych avait un assez grand soutien pour qu'il y ait une réflexion sur cette appartenance. Et c'est là où, pour faire parce que Yanukovych a fait une erreur dans ça, si on peut dire ça comme ça, avant, c'est que Yanukovych, quand il est arrivé au pouvoir, il a retiré à Stepan Bandera le titre de héros national. Et tactiquement, et c'était pas bien. Alors, c'était évidemment pas bien. C'était bien avant les discussions avec l'Europe, mais ça a permis aux Anglo-Américains d'utiliser le mécontentement qui se trouvait dans l'ouest du pays, qui est très à droite, créer une sorte d'opposition, je sais pas comment on pourrait dire, un mécontentement. Un mécontentement à exploiter. Et c'est ce mécontentement
qu'on a exploité dans Maïdan et qui a fait que Maïdan a été un coup d'État en réalité, qui n'avait aucune raison d'être, qui n'était pas populaire, qui était provoqué totalement par les Occidentaux. Il n'y avait aucune raison pour le faire. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'après Maïdan, moi j'ai vécu Maïdan depuis l'intérieur de l'OTAN, donc je vois très bien toutes les informations qu'on avait, qui venaient d'ailleurs non pas de l'OSCE ou d'organisations officielles, mais qui venaient des services de renseignement polonais ou lituaniens. Donc ça vous dit aussi la manière dont on observait les choses. Néanmoins, la première loi qui a été prise par le nouveau gouvernement non élu et même choisi par les Américains en réalité, donc leur première loi ou activité législative, ça a été d'abolir la loi de 2012 sur l'égalité des langues ukrainiennes et russes comme langue officielle. Ce qui voulait dire que pour les populations russophones, eh bien, il n'y avait plus d'école en russe, il n'y avait plus de documents russes, etc., etc. Et c'est là... Donc c'est quand même un gouvernement avec une politique assez discriminatoire et raciste. Ah, totalement. C'est comme si en Belgique, on interdisait l'usage du français dans les écoles, ou en Suisse, l'usage de l'italien ou de l'allemand. C'est raciste. C'est exactement ça. C'est exactement l'équivalent, et les populations sont naturellement rebellées. C'est cette rébellion dans le sud-est du pays et en Crimée, où là il y a évidemment des pourcentages de population russophone très forts. C'est dans ces régions que les manifestations étaient très fortes. Elles ont immédiatement été réprimées de manière très brutale. Alors en Crimée, ce qui s'est passé, c'est que comme il y avait les forces russes là, et que d'après le traité qu'il y avait entre la Russie et l'Ukraine, il était autorisé en cas de crise que les militaires russes puissent assurer la sécurité d'un certain nombre de points clés, comme l'aéroport, comme les ports, etc., de façon, ne serait-ce déjà que pour garder un cordon ombilical avec la Russie. Et ce qui s'est passé, c'est que la répression a été tellement dure dans tout le sud, parce qu'il y a aussi Odessa, enfin, il y a Mariupol, donc aujourd'hui, on ne parle plus de la Crimée et du Donbass, mais à cette époque-là, il y a vraiment eu, sur toute la côte de la mer Noire, des répressions extrêmement violentes, extrêmement dures. Et à ce moment-là, en Crimée, eh bien, sous le principe des Nations Unies d'ailleurs, de la responsabilité de protéger, les unités qui étaient sur place, les unités russes, ont essayé de se mettre entre les acteurs, si vous voulez. Bah, je m'excuse de souligner ça, parce que nous avons plusieurs intervenants qui ont dit que c'est compliqué, l'Ukraine, etc. Donc, je crois qu'ici, on a un point important à souligner, c'est-à-dire que le gouvernement qui a été mis en place par les États-Unis, on en a parlé dans d'autres émissions, c'est Victoria Nuland, envoyée spéciale, qui a choisi carrément le Premier ministre, les ministres, qui a dit qui pouvait aller dedans ou derrière. Et donc, quand il y a eu ce gouvernement, on a eu assez rapidement des massacres très, très terribles. Je me souviens de la photo épouvantable d'une femme enceinte, égorgée, puis dans la maison des syndicats, tout ça. Donc, pourquoi on ne parle pas en Occident du fait qu'on a quand même une alliance avec des bandits? Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la population ukrainienne est restée très partagée sur cette affaire. Comme je l'ai dit au départ, déjà, ce n'était pas du tout une révolution populaire. C'est vraiment une révolution qui vient de l'ouest du pays, donc vraiment de cette région extrêmement nationaliste, extrêmement anti-russe, extrêmement antisémite aussi du coup, les groupes paramilitaires qui se sont créés en 2014 à cette occasion
qui étaient vraiment des paramilitaires, c'est-à-dire qu'ils se sont substitués pratiquement, ou ils ont assisté les autorités pour réprimer les gens. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs aujourd'hui, hein, on a le même phénomène, c'est-à-dire que le gouvernement n'arrive plus à gérer la situation sécuritaire et il fait appel à des milices, des paramilitaires pour compléter. Mais j'y reviendrai. Et donc, ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'il y a eu ces conflits qui ont commencé. Bon, la Crimée, j'y reviens pas parce que on va parler du Donbass. Dans le Donbass, il y a eu ces républiques qui se sont rebellées et qui, en mai 2014, ont fait deux référendums dans chaque république, Donetsk et Lugansk, pour avoir une autonomie. Et là, il y a aussi un phénomène important parce que quand vous lisez et vous regardez les médias de ces 8 dernières années, et spécialement ces derniers mois, je n'ai pas vu un seul média chez nous qui n'ait pas utilisé le mot séparatiste ou indépendantiste. Alors c'est un mensonge, c'est un mensonge. Les deux républiques n'ont jamais été séparatistes. Les référendums qui ont été faits en 2014 dans les deux républiques en mai n'étaient pas des référendums d'indépendance ni même de séparatisme. Ils ne voulaient pas être séparés de l'Ukraine. Ils voulaient être autonomes à l'intérieur de l'Ukraine. Et c'est clairement dit. Et d'ailleurs, les accords de Minsk, on va y revenir, mais les accords de Minsk n'ont jamais dit que ces républiques devaient quitter l'Ukraine. Et ces républiques, donc les représentants de ces républiques ont signé ces accords de Minsk qui disaient clairement que ces républiques restaient dans l'Ukraine de manière Mais une sorte de autonome, fédéralisme système un avec peu plus fédéral. d'autonomie pour être Voilà. à l'abri. Voilà. Exactement. Mais on a instrumentalisé, en fait, les Occidentaux surtout ont instrumentalisé ce nationalisme de la partie occidentale de l'Ukraine contre l'autre partie et notamment contre la Russie. Et pourquoi ils l'ont fait? Et c'est là où moi-même j'étais un peu impliqué, parce qu'en 2014, l'Ukraine a fait intervenir l'armée dans le Donbass, en Crimée c'était trop tard, mais dans le Donbass. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que l'armée ukrainienne, en fait les Ukrainiens, ils n'avaient pas du tout envie d'aller se battre contre les gens du Donbass. Et il y a eu un taux de suicide incroyable dans l'armée ukrainienne. Il y a eu plus de morts d'ailleurs en 2014-2015, il y avait plus de morts dues à l'alcool et au suicide que dans les actions de combat. C'était tout dit. Et les gens refusaient en fait d'aller s'enrôler. Il y a eu des campagnes de recrutement qui ont été faites où les gens partaient. D'ailleurs, ça a été un des points de départ de l'émigration à cette époque, parce que les jeunes ne voulaient pas aller se mettre On a vu des dans l'armée Ukrainiens ukrainienne. arriver ici et travailler comme serveurs dans des restaurants, des choses Voilà. comme ça. Ça a commencé là. Exactement. Et c'était pour échapper à la conscription. Ils n'avaient pas du tout envie d'aller tirer sur leurs confrères. Et alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, en 2014, les Ukrainiens ont vu ça. Ils ont demandé l'aide de l'OTAN pour, d'une part, freiner, essayer de freiner la désaffection et la désertion qu'il y avait dans l'armée, c'est-à-dire en augmentant les avantages. C'est pour ça que je suis allé moi-même, je suis allé à Odessa d'ailleurs, pour discuter ça avec les militaires ukrainiens, voir comment on pouvait, et les autorités ukrainiennes, pour voir comment on pouvait empêcher que les gens quittent l'armée, parce que ça prenait des proportions considérables. Et comment ils vous Et ont accueilli? Ils étaient d'accord avec ce que alors, votre moi, j'ai visa? parlé avec les autorités, c'était les autorités ukrainiennes, et eux, évidemment, c'était eux qui demandaient à l'OTAN. Donc, ils étaient demandeurs, à peu près tout ce qu'on pouvait leur dire, ils étaient à genoux et remerciaient. Vraiment, oui, pour eux, l'OTAN, c'était un petit peu Le Père Noël. leur bouée de sauvetage, d'une certaine manière. Mais ça n'a pas suffi à créer, si vous voulez, l'enthousiasme dans l'armée ukrainienne, et c'est pour ça que si vous voulez compenser ces pertes et avoir quand même une capacité plus agressive contre l'est du pays, vous avez la création d'unités paramilitaires rattachées au commandement au pluriel ukrainien. Et ça vient de là. Quand vous regardez avant 2014, il n'y a pratiquement pas de paramilitaires dans
le système sécuritaire ukrainien. Et à partir de 2014, sur le modèle du groupement Azov, alors on commençait le développement de paramilitaires. Aujourd'hui, selon Reuters, ils sont à peu près 100 000. 100 000 c'est pas... 100 000, selon Reuters. Donc, c'est les chiffres que j'ai retrouvés hier chez Reuters. Mais là, alors, excusez-moi Jacques, l'Occident ne peut plus dire que ce sont des marginaux, qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Non, c'est pas du tout et marginal. Si vous le permettez, je vais présenter deux, trois photos de dirigeants de tel groupe. Il y a un certain Karas qui fait ici, c'est un jeune, qui fait ici le salut nazi. On le voit trois places plus loin que Zelensky dans une réunion importante. On voit Zelensky avec le chef de Pravi Sector et on voit Zelensky avec l'oligarque Igor Kolomoïski qui est à la fois le sponsor de Zelensky qui a parrainé sa venue au pouvoir, à la fois le sponsor du bataillon Azov antisémite et à la fois le sponsor d'un groupe juif intégriste. Donc, au niveau de l'élite ukrainienne déjà, comment ça se passe? C'est un mariage de raison, Zelensky ne peut pas faire autrement, parce qu'alors le grand argument qu'on nous dit en Occident, mais non, on ne peut pas parler de nazis ou de choses comme ça, puisque Zelensky lui-même est juif, et ça donc c'est censé régler tout le problème. Comment vous expliquez ce bizarre amalgame? Alors, Zelensky est juif, c'est correct. Et c'est pour ça que je dis aussi, le gouvernement ukrainien n'est probablement pas nazi en tant que tel. Il utilise des néo-nazis, si vous voulez. C'est comme, d'ailleurs, je vous ai envoyé la photo d'un rapport qui a été écrit par l'université de George Washington aux États-Unis sur Centuria. Et Centuria, c'est un projet pour la formation de groupes d'extrême droite, donc de milices type Azov, financés par les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne et la France, qui était vraiment le financement paramilitaire ukrainien. Ça ne veut pas dire que la France est nazie, mais elle forme des nazis, si vous voulez. C'est un peu la même chose. C'est pas parce que... simplement, c'est des mariages de circonstances qui font que Zelensky, sinon il n'aurait sans doute pas la force de frappe pour lutter contre les Russes. Est-ce que vous auriez fait le parallèle de l'alliance de l'Occident avec Al-Qaïda dans certains pays? Alors, certains l'ont fait. Je n'aime pas faire ça parce que, on a aidé Al-Qaïda, je n'aime pas non plus Al-Qaïda parce que il faudrait parler des islamistes ou de djihadistes. On a aidé des djihadistes dans certains pays comme moyen de subversion. Ici, c'est un peu différent. On n'a pas utilisé l'extrême droite comme moyen de subversion, en tout cas pas maintenant, pendant la guerre froide, oui. Mais maintenant, on utilise ces groupes d'extrême droite pour appuyer les gouvernements, ce qui est presque plus grave quelque part, parce que ça veut dire qu'on soutient, on entretient et on arme un pays qui est clairement, qui a rien à voir avec les droits de l'homme. J'entends, il n'y a aucune tradition des droits de l'homme en Ukraine, pas plus que dans les pays. Quand on reprend toute cette bande, d'ailleurs de manière assez intéressante, cette bande, la Pologne avait fait pendant les années 30, le maréchal Piłsudski, qui était un ami de Hitler d'ailleurs, avait voulu faire de la bande qui allait entre les pays baltes jusqu'à la mer Noire, une espèce d'alliance politico-militaire qui s'appelle l'Intermarium. Et en 2015, le gouvernement polonais, donc qui fait partie de l'Union européenne, je le rappelle, le gouvernement polonais a réactivé cette idée d'Intermarium, qui est une alliance politico-militaire dont le but est d'isoler la Russie. Et dans toute cette région de l'Intermarium, on se retrouve un peu les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, vous les retrouvez aujourd'hui, même dans l'Union européenne. C'est tous des pays qui sont extrêmement nationalistes, qui sont extrêmement conservateurs. Aucun de ces pays n'a une tradition démocratique. Et pendant la guerre froide, il ne faut pas oublier, parce qu'on dit « Ah, ils étaient occupés par les Russes, et puis c'était les Soviétiques qui… » Non, ce n'est pas vrai.
La participation au Parti communiste en Pologne ou dans les pays baltes était nettement supérieure à la participation au Parti communiste, au pourcentage de gens qui étaient dans le Parti communiste en Russie, par exemple. Donc, c'était des pays qui étaient plus royalistes que le roi encore. Donc, je posais la question, dénazification, démilitarisation, est-ce que ce sont des prétextes de Poutine ou est-ce qu'il y a un fond là-dedans? Alors, c'est un vrai prétexte. Pourquoi ? Donc, comme nous l'avons vu tout à l'heure, dès l'année passée, l'armée ukrainienne s'est lentement dirigée vers le sud en vue d'une opération de grande envergure contre le Donbass et peut-être contre la Crimée. Et d'ailleurs, vous noterez que tous ces derniers mois, depuis le mois de novembre, où on parle d'une éventuelle invasion russe de l'Ukraine, eh bien, l'armée ukrainienne ne s'est pas du tout déployée à la frontière russe. Elle s'est déployée dans le sud. Parce que je pense que les Ukrainiens, d'ailleurs, ils l'ont dit, le gouvernement ukrainien l'a dit, le ministre de la Défense, chef du Conseil de sécurité ukrainien a dit, les Russes ne veulent pas attaquer l'Ukraine. Et je pense que le but des Ukrainiens était vraiment de régler une fois pour toutes le problème du Donbass, non pas politiquement selon les accords de Minsk, mais par la force en attaquant purement et simplement. Donc l'intervention de Poutine, c'est une réaction, c'est une réponse. Alors, le 16 février de cette année, vous êtes aperçu que Joe Biden, dans une conférence de presse, a dit qu'il savait que les Russes allaient attaquer. Et quand les journalistes lui ont demandé comment est-ce que vous pouvez savoir, il n'a pas répondu. Mais le même jour, en Ukraine, dans le Donbass, les violations de cessez-le-feu, c'est-à-dire les tirs d'artillerie sur les populations civiles, donc les tirs ukrainiens sur les populations civiles du Donbass, a été multiplié par 20 ou 30. Le 17, on a de nouveau une augmentation, et le 18, l'augmentation est de 50, pratiquement, c'est presque un facteur 50. Mais là, donc, vous êtes en train de nous dire que Biden voulait que Poutine attaque. Je pense que Biden souhaitait que les Ukrainiens déclenchent une attaque russe. Du côté russe, ce qui s'est passé à ce moment-là, les Russes avaient toujours refusé de reconnaître les républiques du Donbass. Les républiques du Donbass, d'ailleurs en fonction de l'accord de Minsk défendu par les Russes, en fait de l'accord de Minsk, ces républiques étaient partie intégrante de l'Ukraine. Et Poutine n'avait pas envie d'attaquer l'Ukraine. Mais devant l'attaque massive et déjà les tirs massifs de la population, qui a été enregistré, ce que je vous dis, vous pouvez les vérifier sur les rapports journaliers des observateurs de l'OSCE. Donc, j'invente rien du tout. Ces rapports existent, ils ont été faits, ils sont faits régulièrement tous les jours. Et là, on a, depuis le 16, on voit cette augmentation radicale des tirs contre la population civile. Et Poutine, à ce moment-là, il voit qu'il ne peut pas faire autrement. Il doit intervenir. La population russe n'accepterait pas de voir la population du Donbass se faire massacrer sans que la Russie fasse quelque chose. Mais excusez-moi, mais pourtant, ici, chez nous, on n'arrête pas de dire que Poutine, c'est un homme seul qui décide de tout et que d'ailleurs, les Russes ne sont pas tellement d'accord avec lui. On a l'impression qu'il y a une seule personne qui décide en Russie, c'est Poutine. Non, alors ça c'est tout à fait... D'abord, il faut savoir que dans le Conseil de sécurité, pour ceux qui connaissent le Conseil de sécurité, mais ils ne sont pas beaucoup, ceux qui connaissent le Conseil de sécurité russe, on s'apercevra que Poutine n'est pas le plus dur, de loin pas. Et il est plutôt, comme on dit en anglais, « dovish », c'est-à-dire plutôt dans les colombes à l'intérieur du Conseil de sécurité. Ça, il faut savoir. Deuxièmement, il y a certainement, dans un pays de 130 millions d'habitants, vous avez certainement quelques milliers de personnes qui sont contre la guerre. Je vous rappelle qu'avant la guerre d'aller en Irak, il y avait eu 2 millions de personnes dans les rues de Londres.
Et ça n'a ça rien n'avait changé. d'ailleurs pas empêché, ça n'a rien changé. Donc, et il n'y a pas 2 millions de personnes dans les rues de Moscou, hein, ça, il faut aussi voir. Non, et puis la popularité, d'ailleurs la popularité de Poutine, pour tout vous dire, ces 3 derniers mois, elle a augmenté. Elle est aujourd'hui à 71% ou 71%. Elle a augmenté depuis toute cette phase où on parlait de guerre, possible guerre, etc. La popularité de Poutine a augmenté. Donc, non, je crois qu'on a une image très fausse de la situation. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que si on avait une image plus réaliste, probablement qu'on prendrait des décisions moins stupides chez nous. Et surtout, on aurait appuyer la résolution politique à travers les accords de Minsk que fait Poutine depuis 8 ans et qu'on n'a pas respecté. Bref, pour revenir à ce qui s'est passé à partir du 18 février. À partir du 18 février, Poutine réalise qu'il doit faire quelque chose, il ne peut pas faire autrement. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît l'indépendance des deux républiques. Et ça, il le fait le 21. Immédiatement après avoir signé le décret qui reconnaît les deux républiques, d'ailleurs à la demande du Parlement russe, le Parlement russe avait fait la demande déjà le 15 février, et Poutine n'y avait pas répondu. Mais le 21, il se rend compte qu'il ne va pas y couper, donc ils ont fait la chose suivante. Reconnaître les républiques du Donbass, une fois que ces républiques ont été reconnues, dans la foulée, Poutine a signé 2 accords avec chacune des deux républiques, ou plutôt, oui, 2 accords avec chacune des républiques, un accord d'amitié et d'entraide militaire. Et le 23 février, fort de ces accords, ce traité d'amitié et d'entraide, les républiques du Donbass ont demandé l'aide militaire de la Russie devant l'offensive ukrainienne qui était en train de se dérouler. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle le 24, Poutine a décidé d'attaquer. Alors, il est certain que cette attaque, elle ne s'est pas faite dans le désordre. Il y a, bon, moi, je connais un peu l'état-major général russe. C'est un état-major où on travaille de manière extrêmement professionnelle. C'est-à-dire que quand vous planifiez. Parce qu'en Suisse, on parle de décision réservée. En anglais, on dit contingency planning. Je crois que dans l'OTAN, la traduction exacte, c'est planification de contingence ou planification de circonstances. C'est-à-dire qu'on planifie des situations qui pourraient éventuellement se dérouler et on planifie déjà un certain nombre d'activités au cas où on devrait prendre ces décisions. On n'a pas pris la décision, mais on fait des planifications au cas où on devrait le faire. Et dans l'état-major général russe, on a une planification, quand on fait le genre de planification, on le fait à fond. Et une planification comme une offensive qu'on a vue, c'est un travail d'état-major absolument considérable. Et ça n'a évidemment pas été fait en 24 heures. Certainement que ça faisait partie des décisions réservées de la Russie déjà depuis quelques semaines, mais que Poutine ne voulait probablement pas mettre qu'il a été forcé, si vous voulez, de mettre en activité. Et alors là, effectivement, il s'est donné 2 buts. Il n'avait pas la stratégie de la Russie et de Poutine en particulier concernant l'Ukraine n'était pas de conquérir l'Ukraine. Il n'y a jamais eu l'intention, comme on voit aujourd'hui, de faire reconstituer l'Empire tsariste, la Grande Russie, l'URSS. Là, on est dans le fantasme total. Oui, Non. La on l'idée. le compare aussi à Hitler, ce qui est quand même un petit peu insultant pour les 23 millions de Soviétiques qui sont morts pour nous libérer du nazisme. Alors, Ça fait c'est partie de non la seulement propagande, là. insultant, mais c'est stupide parce que ça veut dire qu'on n'y a rien compris. Vraiment, je pense que d'ailleurs, je crois que j'ai jamais entendu un expert, que ce soit sur la télévision belge, sur la télévision suisse, sur la télévision française, qui vraiment connaisse la Russie, la manière de penser de la Russie, la réflexion opérative, pas opérationnelle, opérative. Les Russes ont 3 catégories de réflexion dans l'art militaire. Il y a la stratégie, il y a l'art opératif et il y a la tactique. L'art opératif, c'est l'art de composer les opérations. Et ça, c'est vraiment, ça vient de Clausewitz. Effectivement, c'est un art dans la terminologie russe. Et
Et il y a très peu de gens qui connaissent ça. Et quand on connaît ça, on arrive à bien comprendre la manière dont a été conçue l'opération. Les Russes ne veulent pas avoir leur territoire qui va toucher l'OTAN. On l'a entendu 20 000 fois. Mais ça veut pas. Donc, ils ne voulaient pas que l'OTAN vienne vers eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils veulent aller vers l'OTAN non plus. L'idéal, leur vision, si vous voulez, c'est une bande neutre entre eux et l'OTAN. Et pourquoi cette bande neutre? C'est extrêmement simple. Depuis que les Américains ont déplacé, ou placé plus exactement, des systèmes de missiles antimissiles, ou des missiles antibalistiques, en Pologne et en Roumanie, les Russes ont un problème stratégique pratiquement. Pourquoi? Ces lanceurs, ces systèmes de missiles antibalistiques sont théoriquement défensifs. Mais ils peuvent aussi, c'est les lanceurs Mark 41, qui peuvent aussi lancer des missiles nucléaires. Le problème pour les Russes, c'est comment savoir, quand ils voient qu'il y a une activité autour de ces lanceurs, comment savoir si le missile qui va partir est nucléaire ou s'il est antimissile. Ils ne peuvent pas le savoir. Et donc, pour eux, ils seront poussés presque immédiatement à envoyer des missiles nucléaires parce qu'ils ne vont pas attendre qu'on les bombarde. Ils vont faire ce qu'on appelle, en termes de stratégie nucléaire, un tir préemptif. Et c'est ce que Poutine, d'ailleurs, il a expliqué dans ses conférences de presse. Il a dit, on a dit, oh, il brandit la menace nucléaire, etc. Mais on ne veut pas écouter ce qu'il a dit. Mais c'est tout à fait juste. Quand vous avez un missile qui est en face de vous et que vous ne savez pas ce qu'il y a là, vous n'allez pas attendre de recevoir la bombe atomique, vous allez tirer d'abord. Et quand vous savez, naturellement, quand vous avez tous les indices qu'on va tirer un missile, si c'est simplement, il est là, on ne va rien faire. Mais c'est exactement comme quand vous avez un type qui est en face de vous. Dans une rue sombre, etc., et qui met sa main dans sa poche comme s'il allait tirer une arme. Vous ne savez pas ce qu'il va tirer. Et là, bah, vous prenez votre arme et vous tirez. Et voilà. Et on est un peu dans cette situation-là, Bien, et je avec voudrais, des conséquences très importantes. excusez-moi Jacques, je voudrais préciser une chose. Quand on parle ici, ça ne veut pas dire qu'on approuve ce qui est fait par la Russie en Ukraine. Personnellement, j'espère qu'il y aura cessé le feu rapidement. Je pense que ça dépend des deux camps, mais ça ne veut pas dire que j'approuve. Ça veut dire que nous essayons de comprendre comment les choses se sont Exactement. passées, quels sont les faits et quels sont les raisonnements de l'autre côté. C'est-à-dire que si on veut faire la paix, il faut quand même commencer par comprendre ce que l'autre pense. Est-ce qu'on peut en Mais c'est venir... important, excusez-moi, je vous interromps à nouveau, c'est important parce qu'on a toujours l'impression que la volonté de la Russie, c'est nécessairement de s'emparer de l'Ukraine. Alors, ce n'est pas nécessairement ça. Et c'est pour ça que l'objectif déclaré de Poutine était démilitariser et dénazifier. Ça ne veut pas dire occuper l'Ukraine. Et ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je faisais cette digression par les missiles, parce que c'est un peu ça qui est un peu l'enjeu du point de Il vue veut russe. éliminer le Et danger. Il veut ce n'est éliminer pas le seulement danger. éliminer le danger, c'est surtout donner de l'espace. Quand vous avez les deux ennemis qui se touchent, il n'y a pas d'espace pour une guerre conventionnelle. On passe tout de suite dans la guerre nucléaire. Et c'est ce que Poutine a dit. Donc, en ménageant un espace, et c'est pour ça qu'il a demandé, il disait, ces zones devraient être neutres. Ce n'est pas parce qu'il veut avoir une influence dedans, c'est qu'il ne voudrait pas d'influence du tout dans ces régions. Et alors, donc le but, c'est probablement pas, enfin, je sais pas, je ne suis pas dans la tête de Poutine, mais c'est probablement pas d'occuper l'Ukraine. C'est vraiment d'enlever la menace qu'il y avait sur les républiques du Donbass. Le 24, ou plutôt avant le 24, avant d'intervenir, il a invoqué l'article 51, d'ailleurs, de la Charte des Nations Unies, parce que, étant donné qu'il venait à l'aide de deux républiques qui avaient été reconnues indépendantes, il pouvait invoquer l'article 51, qui est l'article qui définit la défense collective dans les Nations Unies. Alors, bon, après, les juristes pourront discuter de savoir si c'est judicieux, pas judicieux, valable, pas valable. Je n'entre pas dans ces. Mais je vous explique la Le mécanique raisonnement de l'autre côté. qu'avait. Exactement. Est-ce qu'on peut, Et je pourquoi m'excuse Jacques, démilitariser? je m'excuse, je vois que l'heure tournait terriblement.
Et je voudrais, je sais que vous avez encore plusieurs choses très importantes à nous dire, je voudrais qu'on en vienne à la carte de la situation et à ce qui se passe maintenant. Vous avez dit qu'il ne veut pas envahir et occuper l'Ukraine, il a des objectifs plus précis. Je montre cette carte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? En rouge, on a donc les zones occupées par l'armée russe, en gris, les zones occupées par l'armée ukrainienne de Kiev, et en hachuré rouge, les zones de combat actuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous voyez la situation actuelle sur le plan militaire? Alors, je vous dis, moi, pour une raison qui m'est inconnue, je ne vois pas la carte que vous êtes en train de présenter. Donc, je la fais de Oui. mémoire, hein. Mais, donc, ce qui s'est passé, vous remarquez qu'il y a une espèce de rond d'ovale avec une zone bleue hachurée. Là, c'est l'armée ukrainienne. Ce qui vous montre d'ailleurs que l'armée ukrainienne n'était pas aux frontières de la Russie, elle était bien dans la région du Donbass en vue de l'attaquer. Maintenant, elle est encerclée. Et ça, c'est la phase de démilitarisation, c'est-à-dire on enlève la menace militaire qui pesait directement sur les républiques du Donbass. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les villes, la stratégie russe, d'ailleurs, c'était la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale, il faut étudier les batailles, les grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale pour comprendre que les Russes évitent les villes. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de la résistance, parce qu'ils ont, là, il y a une grande résistance, etc. Non, c'est que pour eux, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien. Ils passent là où ils peuvent passer. Et si vous regardez la carte qu'il y a, n'est pas très explicite, malheureusement. Il y a des cartes qui sont meilleures sur cet aspect, mais on verra que toutes les villes ont été épargnées. L'armée russe a passé autour des villes et a continué tout droit. Ce qui fait qu'elle est allée très rapidement. Vous savez, l'armée russe, je crois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire une avance aussi rapide d'une armée. Ils ont occupé en 4 jours, l'équivalent de tout le Royaume-Uni. Hein. Oui, hein, parce qu'il faut rappeler que l'Ukraine, c'est un très très grand pays, donc C'est un immense militairement, ce pays. n'est pas simple. Et sur la carte, on n'en a pas l'impression. En réalité, en 4 jours, ils ont occupé un pays comme le Royaume-Uni. C'est absolument considérable. Et maintenant, ce qui reste, c'est les villes qu'ils ont contournées en quelque sorte. Or, dans ces villes, et notamment les villes de Kharkov et de Marioupol, vous avez les milices, ces milices paramilitaires qu'on a évoquées au début de notre entretien. C'est elles qui tiennent ces villes. Ce n'est pas l'armée ukrainienne, ce sont les milices. Or, ces milices, qui sont des paramilitaires, c'est des gens qui sont plus, comment dire, des milices idéologiques que techniques. Et c'est des gens qui sont. Je crois que si j'utilise le terme sauvage, je ne suis pas très loin de la réalité. Parce que c'est des gens vraiment sans foi ni loi. Ils avaient déjà le bataillon Azov qui se trouve à Mariupol, enfin régiment Azov qui se trouve à Mariupol, a déjà été l'auteur de massacres à Mariupol en 2014. Il a été auteur de plusieurs massacres dans le Donbass, parce que les républiques du Donbass qu'on a aujourd'hui, c'est ce qui reste, mais il y a les républiques de Kharkov, la république de Dnipropetrovsk, la république d'Odessa qui existait, qui ont disparu, et avec beaucoup de massacres d'ailleurs entre 2014 et 2015. Mais on n'en parle plus parce qu'elles n'existent plus. Celles qui ont résisté, c'est celles de Lugansk et de Donetsk. Mais à Mariupol et à Kharkov, le corps national et le groupement Azov ont commis des atrocités que vous n'imaginez pas. Il y a un rapport qui montre ça, qui est tellement graphique que je pense qu'on n'oserait pas le montrer ici, mais ce sont des sauvages. Et Je montre depuis pendant que vous que. parlez les photos de Azov à Mariupol et du corps national, oui. Je les montre. Et comment donc ce que vous n'avez pas, parce que je les ai vus sur Telegram, mais je n'ai pas pu les télécharger parce que je ne suis pas moi-même sur Telegram. Depuis que la ville est encerclée, évidemment, les civils essayent de s'échapper. Mais ces milices veulent garder les civils. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas des couloirs humanitaires qu'organisent les Russes. Alors Parce que les civils. justement, je vous interromps, je lisais dans mon journal ce matin, je voyais une photo de civils, de trois cadavres civils par terre. Et c'est dans le soir de Belgique, mais je pense qu'il y aura la même chose un peu ailleurs. Il y avait toute une les premières pages,
sur le fait que des civils veulent se réfugier, évidemment, c'est tout à fait compréhensible et normal, et que ça n'était pas possible parce qu'il n'y avait toujours pas les couloirs humanitaires. Alors, curieusement, dans le soir, on ne disait pas que c'était les Russes qui refusaient les couloirs humanitaires. Est-ce que ça veut dire qu'ils savent qu'en fait, ce sont les fascistes du groupe Azov qui ne veulent pas que les civils puissent échapper dans les combats? C'est-à-dire qu'il y a eu des couloirs humanitaires qui ont été organisés. Il n'y a que 17 civils qui ont réussi à sortir. 17! Parce que ces milices les empêchent, parce qu'évidemment, en ayant des civils, ça leur fait en fait des boucliers humains. Voilà. C'est ça que l'Union européenne soutient. Alors ça, c'est clair. L'Union européenne et les pays occidentaux soutiennent clairement ces milices et ne condamnent pas non plus ce qu'elles ont fait. Donc, on peut en tirer les conclusions qu'on veut. Pour moi, il y a quand même quelque chose de très curieux dans cette affaire. Oui, j'ai reçu dans les communications que beaucoup de gens nous envoient à michel-midi@investigation.net, et je vous remercie. J'ai reçu notamment une indication qu'il y a une enquête qui a été organisée par le comité d'enquête de Russie pour enquêter sur les circonstances de l'attaque visant ces civils, et eux disent clairement que c'est le bataillon nationaliste Azov qui a tué des civils alors qu'ils tentaient de s'échapper par le couloir humanitaire de l'autoroute M23. Donc, c'est l'abominable tactique des boucliers humains. On prend des civils en otage pour continuer. C'est ce que ces groupes ont fait depuis le début. J'entends, c'est des groupes maintenant, vous comprenez. Le problème, c'est que c'est un peu le problème de ces groupes qui sont en marge de législation. Quand on a des militaires, en principe, il y a des lois, il y a un encadrement légal sur l'emploi des militaires. Il y a les conventions de Genève qui expliquent ce qu'on peut faire dans la guerre, voilà, et ce qui est interdit. Quand on a des paramilitaires comme ça, on est souvent un petit peu en marge, si vous voulez, d'un système légal. Et ces gens autorisent toutes les brutalités. D'ailleurs, quand vous voyez les jeunes Belges qui partent, alors moi, je ne veux pas préjuger, ce sont sans doute des gens qui font ça de bonne foi, mais vous comprenez, ces gens, quand ils arrivent là-bas, ils ne sont pas prêts à aborder des situations comme ça. Moi, j'ai travaillé, quand j'étais à la doctrine des opérations de maintien de la paix aux Nations Unies, j'étais responsable de la protection des civils. Et j'ai constaté que les civils étaient en danger dès lors que les militaires ou les groupes armés qui étaient autour d'eux n'avaient pas de structure de commandement ou n'étaient pas capables d'être tenus. Or, c'est exactement ce qui se passe avec ces paramilitaires. C'est des combattants, guerriers, ils font un peu leur truc, mais ce n'est pas des gens qui ont la froideur dans le jugement, si vous voulez. Quand je dis froid, je ne veux pas dire froid au niveau humain, mais froid dans le sens où c'est l'expérience. Je suis colonel, j'ai commencé ma carrière dans des unités spéciales. Quand on prend une décision, on la prend froidement, rationnellement, on essaie pas de tuer des gens et les massacrer. On réfléchit, c'est rationnel, on calcule, on évite les pertes, etc. Or, dans ces milices, ces groupes qui viennent là comme volontaires, ils vont pour casser du russe, ils vont pas pour défendre des gens. Et c'est là où est le gros problème de ces milices. Dans le groupement Azov, vous avez 19 nationalités représentées. Donc, c'est pas des Ukrainiens qui défendent leur pays, c'est des gens qui viennent casser du russe. C'est des aventuriers. Il y a des Suisses, des Belges, des Canadiens, des Anglais. On voit, certains ont des caméras, on les entend parler avec les caméras de leur GoPro ou je ne sais pas quoi. On les entend parler dans un parfait accent, avec un accent américain, etc. On n'a clairement pas des Ukrainiens qui se battent. Mmh. Donc ces gens ne sont pas là pour protéger des citoyens. Ils sont là pour faire la guerre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a pris. On comprend, des aventuriers. Il y a un point sur lequel je veux insister. Vous avez évoqué tout à l'heure les accords de Minsk, qui prévoyaient justement pour les républiques de l'Est une autonomie et des mesures de protection. Il faut expliquer en deux mots en quoi consistaient les accords de Minsk, pendant que je montre une photo, et qui garantit cette chose-là. Alors, les accords de Minsk,
En fait, c'est un accord passé. Donc, c'est des accords en deux étapes, si vous voulez. Minsk 1, septembre 2014, et Minsk 2, en 2015. 2014, c'est donc un accord entre le gouvernement ukrainien et les représentants des républiques indépendantes du Donbass. Indépendante, pardon, autonome. Il ne faudrait pas que je fasse. C'est les républiques autonomes du Donbass. Et avec, de part et d'autre, des garants. Puisque du côté du Donbass, on a des gens qui sont des autorités autoproclamées, en quelque sorte. Donc, il y a des garants. Du côté ukrainien, les garants, c'est la France et l'Allemagne, qui parlent au nom de l'OSCE, d'ailleurs, pas au nom de l'Union européenne, c'est important. Et puis, du côté des républiques, c'est la Russie qui est le garant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est dans le cadre OSCE, parce que la Russie ne fait pas partie Voilà. de l'Union D'ailleurs, sur la européenne. photo que je montre, Donc on on est voit dans un. Merkel, on voit Hollande, on voit Porochenko, qui est à l'époque le président de l'Ukraine, on voit Poutine, et près de Poutine, on voit Loukachenko, le président du Bélarus, qui est aussi un peu un sponsor de l'accord, en quelque sorte. Oui. Voilà, alors ça, je pense que ça c'est après Minsk 2, je pense. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les Ukrainiens ont fait éliminer un des signataires des accords de Minsk 1, un des deux qui a été éliminé par les services spéciaux ukrainiens, ce qui montre d'ailleurs que. Et puis, alors, ce qui s'est passé après Minsk 1, qui est un accord de principe sur une solution fédérale. D'ailleurs, ça a été un peu, si vous voulez, le promoteur ou le parrain de ces accords était d'ailleurs la Suisse, qui avait à l'époque la présidence de l'OSCE. Et la Suisse, comme avec sa tradition un peu fédérale, avait proposé une solution fédérale. Et c'est pour ça que dans les accords de Minsk 1, on a une trace de cette idée fédérale. Et juste après les accords Minsk 1, le gouvernement ukrainien a déclenché ce qu'on appelait l'opération antiterroriste ou ATO, Anti-Terrorist Operation, enfin. Et ils ont lancé une grande offensive après la première série d'accords, donc ce qui vous montre un peu comme ils sont fidèles à leur parole. Ils ont lancé une grande opération contre les républiques du Donbass et ils ont reçu une déculottée magistrale à Debaltseve. Qui est une ville, une petite ville au nord de la République de Lugansk, sauf erreur. Cette défaite a fait que les Ukrainiens ont dû se rendre. Ils ont perdu pratiquement toute leur armée, là. Et il y a une partie de l'armée qui a passé dans le rang d'ailleurs dans le rang des rebelles, ce qui fait que tous les chars que vous trouvez chez les rebelles aujourd'hui, ils venaient pas de la Russie, ils venaient des unités, enfin des prises de guerre et des unités qui avaient passé du côté rebelle, des unités de l'armée ukrainienne. Et là, les Ukrainiens ont été obligés de revenir sur la table des négociations et ça a donné Minsk 2, dans lesquels les Ukrainiens s'engageaient à transformer, à modifier leur constitution pour avoir une solution, si vous voulez, d'autonomie régionale. Il n'y avait pas le mot fédéraliste n'était pas mentionné, mais c'était pour avoir des solutions d'autonomie régionale. Et puis, et ainsi que les langues, etc., bien entendu, parce que c'était ça le point de départ de l'histoire. Et ensuite, et naturellement, retrait des troupes le long d'une ligne de contact, etc. Enfin, il y avait de ça, tout un nombre de choses. Mais après 2015, donc après la signature février 2015, après la signature de ces accords, les Ukrainiens, comme ils avaient fait après les premiers, ils ont refusé de faire ces accords. Et c'est là que les Russes ont essayé de pousser les partenaires français et allemands pour pousser les Ukrainiens. C'est là qu'est né ce qu'on appelait le format Normandie. Format Normandie, c'est en fait la réunion des chefs d'État ukrainiens, russes, français et allemands pour promouvoir les accords de Minsk. Mais les accords de Minsk, ce n'est pas le format Normandie. Parce que vous avez des tas de gens qui vous disent, on a signé un accord, et c'est typiquement il y a le chef de l'IRIS, le directeur de l'IRIS en France, qui disait, les accords de Minsk, c'est un accord pour faire cesser la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est faux. C'est tout simplement un mensonge. Ça n'est pas pour faire cesser la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est pour faire cesser le conflit intérieur entre
le gouvernement ukrainien et des républiques rebelles sur son territoire. Et le format Normandie, pour ça, il induit en erreur parce que du coup, on a l'impression que c'est les chefs d'État qui doivent négocier entre eux. Mais ce n'est pas ça. Le format Normandie, il a pour fonction de promouvoir la mise en place des accords de Minsk, c'est-à-dire aux représentants des républiques indépendantes ou autoproclamées autonomes, et puis, de l'autre côté, au gouvernement ukrainien pour les forcer à se mettre sur la table. Et ça, les Ukrainiens ont toujours refusé. Et c'est pour ça qu'à la fin, on est arrivé, d'ailleurs, avec cette idée de Zelensky de vouloir attaquer le Donbass. Donc rien que le déclenchement de feux d'artillerie à partir du 16 février était une rupture claire des accords de Minsk. Donc quand les gens ont fait des cris d'orfraie pour dire que Poutine avait violé les accords de Minsk le 24 février, non, les accords de Minsk étaient morts depuis que les Français et les Allemands ont refusé de les mettre en œuvre. Macron est allé plusieurs fois comme en Russie, en Ukraine, il a chaque fois parlé des accords, mais il n'a jamais poussé les Ukrainiens, c'est-à-dire Zelensky, à mettre en œuvre ces accords. Vous voulez dire que Macron va là pour les relations publiques, etc., et qu'en réalité, il ne recherche pas la paix, il cherche autre chose ? Écoutez, vous pensez ce que vous voulez, mais lorsque Macron est allé voir Zelensky, en fait, il est revenu avec un contrat pour la vente de wagons de chemin de fer et de camions pour 1 milliard, je ne sais pas combien. Voilà avec quoi il est revenu. D'accord. Il a fait une conférence de presse en parlant des accords, oui, mais la finalité, c'était de signer ça. D'ailleurs, vous comprenez, on est un peu dans la commedia dell'arte ici, où chacun fait un peu son show. Et Macron, il est en campagne présidentielle, donc il a joué les grands négociateurs, mais en réalité, il a rien fait. Et quand on voit d'ailleurs le compte rendu de ses conversations téléphoniques avec Poutine, et vous pouvez les voir vous-même sur le site de l'Élysée, d'ailleurs, si je n'invente rien, eh bien vous ne voyez pas apparaître les accords de Minsk, parce que ça n'a pas du tout été le propos de Macron, parce qu'il savait qu'il ne pouvait et ne voulait pas pousser Zelensky à les mettre en œuvre. Non, il est allé là-bas pour vendre ses wagons et puis ses camions. Il était là en représentant de commerce. D'accord. Alors, il y a une dernière chose que je voudrais que vous aidiez ceux qui nous suivent à comprendre. Prenons un peu du recul parce que j'ai intitulé le débat d'aujourd'hui « Faut-il détester les Russes ?» Quelqu'un m'a dit au tout début « Très mauvais titre ». Je l'avoue, c'était pour un peu provoquer, pour amener les gens à faire réfléchir et à se poser des questions. Et justement, la question que je voudrais que vous aidiez chacun ici à comprendre, c'est est-ce que tout ça, l'Ukraine, c'est un phénomène isolé ? C'est juste l'Ukraine, la Russie et voilà. Ou bien est-ce que ça fait partie d'un scénario qui dure depuis longtemps et que les États-Unis veulent amener la Russie quelque part? Alors, je dois dire que moi, je suis beaucoup en contact avec, avec les États-Unis. J'ai aidé beaucoup de gens qui sont maintenant à la direction de certains services en son temps, et j'ai de très beaux contacts avec le continent outre-Atlantique. Et les gens sont beaucoup plus nuancés que les politiques, beaucoup plus nuancés. D'abord, vous remarquerez que pendant toute cette crise, on n'a rien vu des services de renseignement. Le chef de la CIA, d'ailleurs, il a lui-même écrit dans ses mémoires qu'il a publiées il y a 2 ans, qu'il ne croyait pas du tout au narratif sur l'Ukraine qu'on a aujourd'hui. Ah bon ? C'est assez marrant. William Burns. Je n'ai pas vu ça et je veux bien que vous m'envoyez la citation parce qu'on va la diffuser. C'est intéressant. Oui. Il ne voit pas du tout les choses comme ça. Et d'ailleurs, vous voyez qu'il ne s'est pas beaucoup exprimé sur la question. On n'a que les politiques qui se sont exprimés. On n'a dans aucun pays les services de renseignement qui se sont exprimés. Je crois que le pays où les services de renseignement étaient le plus, entre guillemets, visibles, c'est en Allemagne.
Et là, on constate que les services de renseignement ont plutôt essayé de mettre appuyer sur la pédale de frein. C'est les politiques qui nous ont menés dans cette catastrophe, très clairement. Et je constate que quand on parle à des gens qui connaissent la Russie, les gens vous disent la chose suivante. Ils vont dire, en réalité, on a mené les Ukrainiens en bateau, littéralement. Les Occidentaux ont instrumentalisé les Ukrainiens pour pouvoir mettre la pression sur la Russie. Enfin pas probablement, avec comme objectif, le premier objectif, c'était un truc qui depuis l'ère Trump, ne passe pas en travers de la gorge des Américains, c'est Nord Stream 2. Pendant la pluie de sanctions qu'il y a, l'affaire a un peu pris ça, si vous voulez, une dynamique propre. Mais toute la finalité de ce qu'on a vu ces derniers mois était à l'origine pour pousser les Allemands à fermer Nord Stream 2. Oui, ça, c'est des choses qui ont Et déjà été indiquées dans des émissions précédentes de Michel Midi. Donc, pour vous, ce n'est pas une guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est au fond une guerre des États-Unis contre la Russie et contre l'Allemagne. Oui, contre l'Allemagne. Enfin, comment dire? C'est fondamentalement une guerre contre la Russie, mais qui utilise le biais de l'Allemagne. Parce que je vous rappelle que d'ailleurs Nord Stream 2, c'est intéressant, Nord Stream 2 n'est pas un projet russe. Oui, c'était allemand, Nord c'est les Stream 2 est Allemands un qui le projet voulaient. allemand. C'est les Allemands qui l'ont voulu. Les Russes se sont fait tirer par la manche pour le faire, parce que ça ne les intéressait pas spécialement. Donc, les Américains voulaient empêcher. Et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau. J'écris dans mon livre, si vous lisez mon livre, vous verrez. Déjà, en 1982, lorsque les Russes ont construit les premiers gros. Ils nous livrent pas de pétrole depuis les années 60. Mais les premiers gros pipelines sont venus. Enfin, le premier gros a été construit en 1982. Et les Américains, là, il s'est passé le même truc. Les Américains ne voulaient pas que les Allemands ou que l'Europe soient alimentées par ce pipeline, parce qu'ils avaient peur que l'Europe se rapproche tôt de la Russie. Et alors, ils ont essayé de décourager les Européens, mais ça n'a pas marché. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était Reagan qui était en poste, et il a signé une directive présidentielle pour saboter le pipeline. Et il y a eu effectivement un sabotage qui a été fait, qui est décrit d'ailleurs, je décris dans mon livre comment ça s'est passé. Et tout ça, c'est documenté, on le sait très très bien. Donc les Américains, ils ont toujours, le problème qu'ils ont, ils ont toujours voulu isoler, c'est d'ailleurs ce qu'ils essayent de faire avec la Chine aussi, c'est essayer de l'isoler et de lui supprimer tous ses contacts. Et un des axes de la politique américaine sur le continent européen, ça a été d'éviter tout ce qui pouvait rapprocher l'Europe de la Russie. Et ça, c'est constant. Et c'est pour une raison aussi assez claire du point de vue stratégique. C'est pas simplement une fixation intellectuelle. C'est que les Américains savent que si il doit y avoir une guerre nucléaire, elle se déroulera d'abord en Europe. Et c'est un débat qu'on a depuis les années 80. Les Américains savent que si des armes doivent être utilisées, elles se feront en Europe. Et donc, les Européens, en cas de guerre, n'ont pas exactement les mêmes objectifs que les Américains. Parce que les Européens, naturellement, bien sûr qu'ils avaient pas, ils aimaient pas les communistes, ils aimaient pas les soviétiques. Mais d'un autre côté, ils avaient pas non plus tellement une grande joie à l'idée d'être vitrifiés dans une guerre nucléaire, vous comprenez? Donc, il y a quand même cette idée en Europe d'essayer d'avoir une sécurité par la coopération, plutôt que d'avoir une sécurité par la confrontation. J'aimerais signaler, Côté puisque vous américain. parlez de la sécurité en Europe, j'aimerais signaler qu'on a malheureusement en Belgique, en France aussi, mais je vais parler d'un exemple belge, on a une censure. On est obligé d'employer ce mot-là, puisque une personnalité belge, Pierre Galland, qui a animé dans les années 80 et après tout le combat pour justement l'interdiction des armes nucléaires, la sécurité en Europe, le désarmement, pour une politique de dialogue et de paix,
Pierre Galland m'a communiqué il y a 2 jours qu'il avait été prévu dans un débat sur le mouvement pacifiste des images d'archives à la RTBF, la radio-télévision belge, et qu'il a été désinvité parce que ce n'était pas opportun de parler de la paix maintenant. Alors j'en profite de ce que vous me dites là pour lancer quand même une question aux responsables de la RTBF, et notamment M. Jacquemin qui dirige l'information là-bas. Est-ce que vraiment quand il y a la guerre, c'est interdit de parler de la paix? Est-ce que c'est interdit de donner la parole, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, à quelqu'un d'aussi respecté et courageux que Pierre Galland? Je rappelle que c'est quelqu'un qui milite pour les droits des Palestiniens, pour les droits des Sahraouis, pour toute une série de combats absolument légitimes et que je soutiens. Et donc voilà quelqu'un qui est interdit de parole dans des médias audiovisuel public, financé avec l'argent des contribuables, et on décide à la place des contribuables qui ont le droit d'écouter, qui n'ont pas le droit d'écouter. La même chose avec Anne Morelli, professeure à l'ULB, historienne respectée, qui a beaucoup de choses à dire, elle aussi, sur la manière dont l'information est faite, pas faite chez nous, également des invités. Donc, je m'excuse pour la parenthèse, mais en tant que citoyen belge, je pense que nos concitoyens ont vraiment un intérêt majeur à écouter les différentes voix et les différentes versions. Allez-vous être invité par la RTBF? J'ai mes doutes. Est-ce qu'on va continuer comme ça à censurer systématiquement les gens qui nous en parlent? Vous me disiez qu'aux États-Unis, il y a des choses dites assez franches et assez brutalement, et j'aimerais dire en conclusion, parce que je vois que l'heure tourne, que ce que vous dites, ce n'est pas tellement des secrets, vous n'allez pas fouiller des poubelles en ayant une cagoule la nuit, etc. C'est des choses qu'on peut trouver aussi sur des sites très très officiels des États-Unis, comme la RAND Corporation, qui est un bureau d'études qui sert à l'armée des États-Unis et aux différents organes. Et là, on a échangé ces derniers jours sur une publication de la RAND, dont je montre la couverture en anglais, « Overextending and Unbalancing Russia », ce qui veut dire donc comment déstabiliser la Russie et comment l'obliger à aller plus loin qu'elle ne voudrait. Et il y a donc 20 pages de conseils pour, je vais dire, embêter la Russie. Et vous devez savoir qu'embêter est un mot trop poli. Et donc, ils analysent toute une série de mesures en donnant des codes couleurs pour voir ce qui coûterait cher, ce qui est risqué, ce qui peut rapporter. Et ce que je vois, c'est que c'est une brochure qui a été faite avant le conflit, dans lequel on voit que les conseils au régime des États-Unis sont de fournir une aide mortelle, lethal aid to Ukraine, donc des armes de combat, d'augmenter le soutien aux rebelles syriens, donc des milices islamistes, dites islamistes. Il y a des mesures pour le Bélarus, pour le Sud-Caucase, pour l'Asie centrale, on est quand même obligé de penser à la tentative de coup d'État au Kazakhstan, et aussi à la Transnistrie, on en parlera un autre jour si on a l'occasion. Donc là, on voit quand même que ce qui se passe n'est au fond qu'une des mesures, à côté d'une série d'autres, la brochure à 20 pages, qui sont pour vraiment affaiblir, provoquer la Russie et en fait ramener les États-Unis au centre du jeu mondial. Alors, si vous me permettez, donc tout à fait d'accord. Concernant la censure, je peux vous dire que la Suisse, c'est exactement la même chose. Je peux vous confirmer que c'est la même chose. Il y a les chaînes d'État sont des chaînes d'État. On peut parler de RT, de tout ce que vous voulez, on ne fait pas mieux. Et il y a la même censure qui se fait en Suisse, très clairement. Pour revenir à la question, donc RAND Corporation, d'abord, c'est un think tank qui a été créé juste après la Deuxième Guerre mondiale pour réfléchir à la stratégie nucléaire américaine. Ça a été un think tank créé par l'US Air Force à la base, parce que c'était eux, évidemment, qui portaient les bombes nucléaires à l'époque, c'était eux qui avaient les bombardiers. Il fallait réfléchir à la stratégie nucléaire. Et depuis, c'est devenu un peu le think tank stratégique du gouvernement américain. Et ce que vous citez, il y a deux publications, en fait, de la RAND Corporation qui concerne la Russie. Il y en a celle que vous citez, que j'ai citée aussi dans mon livre sur Navalny et que je cite d'ailleurs dans mon livre aussi sur Poutine. Pour ceux qui le liront, il sera disponible à partir de la semaine prochaine. Mais il y a vraiment cette idée d'affaiblir, si vous voulez, c'est une sorte de
comme on disait dans les entreprises, quand on met de côté un employé, on lui parle plus, il y a un terme pour ça, maintenant le La mise terme au m'échappe. placard. C'est pas seulement la mise, il y a un terme anglais qui définit très bien. C'est pas bashing, c'est pas ça. Bref, le nom m'échappe, mais il y a un terme pour isoler quelqu'un dans une entreprise. Et c'est exactement la même idée. C'est-à-dire, vous faites tout, vous coupez, vous le rendez infréquentable, vous faites tout, vous relevez chacun de ses défauts, vous le poussez à bout, etc. Et c'est ce que font actuellement les Américains avec la Chine. Et c'est ce que font d'ailleurs maintenant l'Union européenne. Et c'est là où d'ailleurs on a, à mon avis, un gros problème d'ordre, je dirais presque éthique et philosophique. Parce que j'ai toujours pensé que l'Europe pouvait être, avec peut-être d'autres, enfin certainement les Nations Unies pour lesquelles j'ai travaillé d'ailleurs, un organe où on pouvait créer la paix par la coopération. C'est-à-dire on travaille ensemble et puis quand vous travaillez avec quelqu'un, ben vous n'avez pas envie de lui tirer dessus, tout simplement. Or, actuellement, vous voyez dans les négociations, ça m'a frappé d'ailleurs l'autre jour, dès que l'Ukraine a décidé de s'engager dans des négociations avec la Russie à la frontière du Bélarus, le lendemain, l'Union européenne adopte un crédit de 450 millions pour acheter et distribuer des armes à l'Ukraine. Donc on est dans une dynamique où la communauté internationale, au lieu de se féliciter des accords, du dialogue et puis de négociations, etc., non, on vient pousser pour encore accentuer la guerre. D'ailleurs, quand on voit tous les efforts qui sont faits par tous les pays européens pour, alors je dirais les efforts pour ne rien faire en laissant partir les combattants, en laissant partir des jeunes comme ça, qui veulent venir s'engager, à qui on distribue des armes. Et on voit d'ailleurs déjà, il y a déjà des gens à Kiev qui disent, vous trouvez ça sur YouTube, qui disent ces armes qui sont distribuées n'importe qui à n'importe qui, avec des gens qui sont pas formés, qui voient des Spetsnaz partout. Spetsnaz, c'est les forces spéciales russes. C'est aussi un truc que je connais bien. Le livre que j'avais écrit à ce propos, d'ailleurs, ça c'est marrant, il a été traduit illégalement d'ailleurs en russe, en Ukraine. Donc je connais bien ces forces spéciales, mais les gens ne les connaissent pas, donc ils voient partout quand ils voient un type un peu bizarre comme ça, et tac, on commence à se tirer dessus, et c'est les citoyens qui se tirent les uns sur J'ai les reçu autres. des Et ça témoignages en se fait ce avec la sens aussi, oui. bénédiction. Oui, ça se fait avec la bénédiction de l'Union européenne. Donc on a une Union européenne qui, en définitive, accrédite. Cautionne les bombardements du Donbass. Pendant 8 ans, il n'y a jamais eu de condamnation. On a même encouragé, en fait, les Ukrainiens, on n'a jamais essayé de les limiter. On n'a jamais L'Europe ne veut pas la essayé. paix, vous dites. Non, l'Europe ne veut pas la paix, clairement. Mais d'ailleurs, vous voyez, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la ministre des Affaires étrangères canadienne, qui est d'origine ukrainienne, et dont le père était un nazi. C'est à cause d'ailleurs des soviétiques qui s'est enfui au Canada, parce que c'était un colabon. Voilà. Vous regardez, Madame von der Leyen, son grand-père a des antécédents qui sont pas beaucoup plus glorieux, dans la même région. Vous regardez, Madame Nuland est aussi une ex-femme d'une famille réfugiée ukrainienne. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est lui aussi originaire d'Ukraine. Donc je ne dis pas que ces gens sont nazis, je ne dis pas que ces gens sont d'extrême droite, je ne dis pas que ces gens. Mais c'est des gens qui n'ont pas un regard serein sur les Mais j'ai choses. aussi lu des C'est des gens. publications disant que les fils de certaines de ces personnalités, Kerry également, faisaient du business en Ukraine. Alors oui, ça, alors, bien sûr, ça aussi, mais. Ça, si vous voulez, qu'on fasse du business, à la limite, si on veut faire du business, pourquoi pas, si ça correspond à la paix. Mais là, en l'occurrence, on voit très bien que ces gens, ces politiciens, sont des gens qui mettent de l'huile sur le feu. Ils n'ont pas la distance nécessaire pour apprécier ce conflit en toute neutralité, en toute froideur. Ces gens viennent ajouter au problème plutôt que retirer la passion du problème. On est actuellement, quand je vois Bruno Le Maire
qui dit qu'il veut détruire l'économie russe et que le peuple russe en souffrira, je dois dire, pour moi, ça a été la source d'un écœurement considérable concernant les politiciens européens. Oui, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française. Hein. Bruno, le ministre de l'économie, c'est un type qui vaut rien. Disons-le franchement, quand un type dit ça, ça c'est quelqu'un qui n'a pas d'honneur, pas de parole parce qu'il n'a pas respecté sa parole, c'est un type qui vaut littéralement rien du tout. Et ses soi-disant excuses après coup, d'ailleurs il ne s'est pas excusé, il a juste dit qu'il n'aurait pas dû utiliser tel mot, mais en fait l'idée est là et sur le fond il ne s'est pas excusé. Et ça montre la manière dont les politiciens européens prennent le problème aujourd'hui. Quand on sanctionne des cantatrices ou des sportifs handicapés parce qu'ils ne prennent pas position dans cette guerre, je trouve qu'on est tombé dans un niveau extrêmement bas. Par ailleurs, tous ces gens qui manifestent pour la paix, moi j'ai travaillé pour la paix dans le terrain, j'ai été plusieurs années en Afrique sur tous les terrains de guerre, j'ai été travailler aux Nations Unies contre la guerre. J'ai travaillé pour l'Union africaine contre la guerre. Je ne suis donc certainement pas en faveur de la guerre. Et si j'avais été à la place de M. Poutine, je ne sais pas, je ne suis pas heureusement, mais je n'aurais probablement pas pris cette décision-là. Néanmoins, je trouve absolument incroyable les gens qui luttent aujourd'hui pour la paix, mais on ne les voit pas manifester contre les morts au Yémen. Personne n'a pris des sanctions contre les États-Unis lorsque ceux-ci nous ont menti au Conseil de sécurité et sont allés faire la guerre en Irak. Et j'aimerais savoir, et je pense que ça doit être un peu la conclusion de cette conversation, quoi qu'on pense de Poutine, qui il est, etc. Ça n'a rien à voir. Mais on devrait se poser la question suivante. En quoi la guerre menée par Poutine est plus blâmable que la guerre qu'ont menée les Américains? Oui. En quoi est-elle plus blâmable? Et en quoi, quand on le met en relation avec les sanctions qu'on a aujourd'hui, la volonté de détruire, personne n'a dit qu'on voulait détruire le peuple américain après l'attaque contre l'Irak. Mmh. On n'a jamais dit ça. Et en Libye, et en Syrie, et ailleurs, on ne l'a jamais dit. Et c'est là que on est au-delà là, du deux poids deux mesures. Mais je dois dire que moi, ayant travaillé, ayant risqué ma vie pour la paix, je peux le dire, j'ai peu de considération pour les gens qui aujourd'hui se prennent pour des pacifistes, mais qui acceptent qu'on bombarde chaque jour des Yéménites. Vous savez qu'il y a dans les frappes de drones soi-disant chirurgicales, des Américains avaient publié un rapport il y a quelques années, disons qu'il n'y a que 4% des victimes civiles de ces drones qui sont reconnus comme des terroristes. 4%. Ça veut dire que sur 100 personnes, il y en a 96 ou 96 qui sont innocentes. Est-ce que ça fait réagir quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a pris des sanctions contre les États-Unis? Voyez, Assange, et je sais, vous avez organisé récemment un événement pour lui, et comme vous voyez, Assange, il a fait plus de prison que les auteurs des crimes de guerre qu'il a dénoncés. Ouais. Et c'est ça qui fait réfléchir aujourd'hui. Alors, s'il est possible que Poutine n'ait pas pris la bonne décision, mais quand on regarde le déroulement des événements, on s'aperçoit que les Européens, France en tête, ont tout fait, enfin France et Amérique en tête, il faut rendre à César ce qui est à César, ont tout fait, vraiment tout fait pour qu'on arrive dans cette situation. Alors, c'est peut-être pas très bien d'être arrivé là, mais on a tout fait. Les défilés dans la rue, il fallait les faire l'année passée, l'année d'avant, et encore l'année d'avant, et peut-être il y a quelques mois, pour forcer l'Ukraine à signer les accords de Minsk, enfin, pas signer, à respecter les accords de Minsk qu'ils avaient signés. Et que les Anglais, les Américains et les Français avaient accepté au Conseil de sécurité. Donc, on prend le problème, on a laissé pourrir délibérément le problème,
Et puis maintenant, on vient avec des sanctions, etc. Ces sanctions, elles vont en plus nous retomber dessus. Et en fait, c'est un peu l'arroseur Bien, arrosé. mais ça, ce sera le thème d'un prochain Michel Oui, Midi, parce que on va parler de sinon, ça. nous allons y passer toute l'après-midi. Bien Et sûr, bien sûr. pour une raison technique, mon image s'est aussi bloquée. D'ailleurs, ben, ça, c'est pas grave, on Oui, moi vous aussi, entend, moi c'est ça qui aussi. est important. Je crois que vous avez fourni une conclusion absolument extraordinaire à ce qu'on pourrait appeler l'exceptionnalisme européen. On en parle pour les États-Unis, mais les Européens ont la même maladie. L'exceptionnalisme qui fait qu'on est au-dessus de toutes les règles que nous édictons et que nous prétendons imposer aux autres. Et donc, je pense que quand vous dites, ben, comparez l'Ukraine et le Yémen et demandez-vous quelle est notre responsabilité dans tout européen, dirigeant européen dans tous ces phénomènes, je crois que c'est une belle conclusion pour appeler chacun de ceux qui nous a écoutés à réfléchir et à ne pas se laisser embobiner. Je voudrais qu'on tire une inspiration de ce que vous nous avez dit là en conclusion, parce que on a parlé de censure. Les gens peuvent voir que tout ce qui est dit ici dans Michel Midi ne passe pas dans les médias belges, français, suisses, etc., que le débat est refusé. Demandez-vous pourquoi ils refusent le débat. Demandez-vous pourquoi ils censurent même quelqu'un comme Noam Chomsky, a dit des choses très intéressantes sur l'Ukraine et c'est totalement caché, totalement escamoté. Et donc, vous avez fait beaucoup de commentaires sur Facebook. Je n'ai pas eu le temps d'y répondre. J'essaierai tout à l'heure dès que c'est fini. Vous avez posé une série de questions. Vous avez demandé des références. Inscrivez-vous sur Investigation et aux newsletters pour vous lirez nos articles et vous trouverez des références. Lisez le livre Poutine, maître du jeu de Jacques Beau qui va donc sortir la semaine prochaine. Et s'il vous plaît, aidez-nous aussi, Investigation, à nous développer, à embaucher un nouveau journaliste et un documentaliste par rapport à ces besoins, ces énormes besoins. Et la prochaine émission devait avoir lieu demain, mais on a un problème, c'est donc Guerres hybrides avec Gabriel Galis. C'était prévu demain, mais il est hospitalisé malheureusement. Tous mes voeux de rétablissement, et dès qu'il est rétabli, nous allons fixer une prochaine date. Donc, pas d'émission demain, certainement une vendredi. Inscrivez-vous à la newsletter et à Facebook pour nous suivre. Et inscrivez-vous, je coupe mon téléphone qui se déclenche, inscrivez-vous sur la newsletter et sur Facebook pour avoir les prochaines émissions. Aidez-nous à développer le travail d'investigation de contre-information. Lisez le bouquin de mon invité, de Jacques Beau, et rendez-vous pour un très prochain Michel Midi sur un thème qui vous sera communiqué bientôt. Merci Jacques et merci à Merci à vous vous. pour votre engagement. Au revoir.